500. Et pour la nuit? Je le fais pas. J'ai ce qu'il faut. Tu parles du fric? Non, quand même, je le fais pas. J'ai pas le droit. Ça te déprise? Je m'étais promis une fête. Alors? Non. J'ai peur que ce soit trop court. Comme tu veux. D'accord. D'accord, quoi? Je l'ai accosté avant? Tu te casses ou t'attends gentiment sur un banc? Oh! Mais arrêtez! On se bat pas en été, fait trop beau! Fait trop chaud! Attends. C'est ta faute aussi. Je peux pas perdre du temps comme ça, moi. Tu comprends? Si vous voulez, puisque vous êtes pressés, vous pouvez monter ensemble. Moi, je m'en fous. C'est à vous. Et moi aussi, je m'en fous, à condition qu'il cherche pas à me tripoter. Deux par deux maintenant. Chacun en fait 10 quand j'en fais un. Oui, je sais pas si ça m'est jamais arrivé, ça. Oh, j'adore le matin. Les ouvriers font un grand détour pour venir nous voir avant d'aller travailler. Une rose à la main. Oh, ça fait rien. Ça leur fait les yeux. Ça leur fait les yeux plein de rêves. Tant pis, j'y vais. Tu sais de quoi on a l'air? Non. De ces petits poissons qui suivent les gros pour profiter des restes. Oh non, mais t'exagères. Marc, j'en sais rien, on me l'a raconté, hein, pour les voyages. Les voyages, je comprends pas. Quel rapport? Ah oui, je sais, ça s'appelle les poissons pilotes. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est des poissons pilotes, c'est eux qui conduisent. Mais je t'assure, des poissons pilotes. Écoute, pilotes. Ah oui, pourtant. Ouh, c'est curieux, je sens que ça va faire une journée bizarre aujourd'hui. Et dis donc, 35, t'as pas vu Rosa? Mais elle est en main, mon chou. Dis donc, à propos de moi, t'as vu les miennes? Il n'y a pas encore de marguerites, elles sont fines, délicates, expertes. Ok, on y va. Et elle m'a soufflé sous mon nez. Hé, Julien, bat un peu ses cannes. Ouais, plutôt BCBG, les plus jolies, tu trouves pas, non? Dis donc, ça s'appelle des rémoras. Alors, messieurs, c'est bientôt fini ces comparaisons. Faut que j'y aille, moi.
dites, vous en avez fait des folies. J'espère que j'ai pas fait naître une vocation. Salola qui avait peur que je le tripote. C'est lui qui a pas arrêté. Mais alors, ça donne pas des boutons, que je sache. Pourra revenir. Mais bien sûr, vous donnez un petit coup de fil au standard. Vous dites pour Rosa, et vous dites leur aussi. Mais pas plus de deux, hein. Des fois qu'il vous viendrait des idées. Et attention au sida! Voilà Rosa, on va préparer un écriteau comme pour la concierge. Rosa est dans l'escalier. Rosa revient de suite. Et là, ce serait quoi? Respire. Et puis tu sentiras son parfum. Embrasse-moi. Sur la joue. La brigade passe. Mais t'es folle, elle a rien à craindre. Elle l'a pas touché du petit doigt seulement. Lui, il voudrait bien, mais elle, nive de nive. En besoin, elle s'est pas fait embarquer une seule fois. Ou Gilbert est très fort, ou elle est très maligne. Pire, pire. Elle est saine. Ça, je mettrais pas ma main au feu. Non, je crois plutôt que Gilbert a le bras long. Ouais, oui, c'est ce qu'on raconte, en tout cas. Dis donc, on les génère. C'est filé ta tête. J'étais voir le petit Robert. Les rémoras, c'est des ventouses. Le petit Robert. Je cherche pas un dictionnaire. Oh, le salaud, des ventouses. Dis donc, Rosa. Tiens, qu'est-ce que je vais lui dire? On dit 40. C'est vrai que tu m'as piqué mon légionnaire? Il n'a pas d'entendre ton légionnaire, alors il raconte que des conneries. Non, mais tu sais ce que c'est qu'un rémora? Un genre de minitel, quoi. C'est pas mémora qu'elle a dit, c'est rémora. C'est des petits poissons qui se collent au requin par des ventouses pour se faire transporter. Et blanc. Dis donc, ton petit Robert, tant, faudra que je tire ça au clair, hein. Ça m'énerve, ça. Déjà. J'ai même pas eu le temps de lui parler vraiment. Ça va être long, 35. Ça va être long, dis. Oui, ça va être long. Oh. Tire-toi, là, reste pas avec nous, tu vas nous faire du tort. Tu peux pas lui lâcher la grappe un peu à Rosa. Elle est têtue, tu pourras le savoir. Je suis pas si convaincue. Quoi, le temps? Ah non. Je suis désolé, monsieur Lyon, on avait fermé, oui. Une petite fête. Ah non, maintenant je ne bouge plus. Si vous voulez. Non, 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 non. Ça ne nous dérangera pas. Non. Au revoir, monsieur Lyon. Alors, attends, t'as perdu Jeannot. Oui. Et petit à petit, je retrouverai la bonne heure. Et comme ça, j'aurai gagné un jour. À jeudi, ma poulette. À jeudi, Max. C'est très beau, mais ça encombre. Attends-moi qu'elle l'ait vu. Mais elle le verra aussi bien si je le mets derrière. Gilbert sera pas content. Tu crois peut-être que j'ai les foies devant Gilbert? Non. Oh, je suis corse, moi. Et les Corses, c'est pas des têtes de Turcs. Exact. C'est des têtes de mules. Ça, je dis pas. À force de vivre avec elle, il peut y avoir eu osmose. Et voilà. Yvette de bonne humeur, Gilbert. Tu devrais en prendre de la graine, ma petite Yvette. Oh, mais laisse-moi le temps, Paris, c'est pas fin d'un jour. Oh, mais regardez-moi ça. Guy, j'ai pensé pour cet hiver. Il y a des soldes vraiment pas mal aux fourrures. Nos visons commencent à fatiguer. Va chez Pierrot, tu lui diras que je passerai. Je suis en compte avec lui. Oui, je sais, mais j'aimerais bien que tu viennes avec moi pour choisir. La dernière fois, on a... Hé, tu me charries? Moi, je sais même pas comment on fait pour charrier. Tu sais bien pourquoi je te le demande. J'ai l'impression d'être une dame, c'était là. Tu veux pas que je t'épouse, non? Ce serait du propre. Ah,
Pas vu, toi. Bon, quand ils iront vers les tables, tu montes te planquer. Merci, Jeannot. C'est pas le moment. Oh, laisse-moi, ça me fait du bien. Je suis une sentimentale. Pour mes 20 ans, ma chérie, j'ai eu le plus beau cadeau du monde. J'ai rencontré l'amour. Et depuis, je sais plus ce que j'en ai fait. Monsieur Léon. Ça va? Voilà. Okay, il y a quoi? Ouais, elle compte. Il y a pour la comtesse. Merci maintenant. Me lâche pas, hein. T'en fais pas, ma poule. Toi non plus, hein. Sans doux quand il apprend le mal d'amour. Dieu, ce que l'homme peut faire quand on a le bonheur de lui plaire. Dieu, que j'aime tes yeux fous quand tu me dis c'est pour toujours. Dieu, ce serait si facile si on pouvait croire en vos chimères. On invite l'ami Dinette, Dinette sur les boulevards. Et là, il faut voir leur tête secrète et folle espoir. Puis c'est la coupe de champagne, campagne et stratégie. Pour arriver dans son pagne, cocotier Tahiti. Dieu, que les hommes sont doux quand il leur prend le mal d'amour. Dieu, ce qu'un homme peut faire quand on a le bonheur de lui plaire. Dieu,
que j'aime tes yeux fous quand tu me dis c'est pour toujours. Dieu, ce serait si facile si on pouvait croire en vos détours. Qu'elle soit mignonne, pas conne et fantaisie, elle vous mettra le bonhomme à genoux au pied du lit. Prête à lui chanter ma pomme et même du poutine. Mais c'est que la séance. Aide-moi, mon chou. C'était mon anniversaire ce midi. Juste une aile. Bon, bah bien, tu feras semblant. Ok. Tu te prépares. Mon Dieu. Ça y est! Jules! Ah, Rosa, tiens. Bon anniversaire. Et pour me faire pardonner d'être en retard. Est-ce que tu sens bon? C'est pas moi. C'est le canard. Du canard à l'orange. Tu es un ange. Ce matin, on a failli nous couper le gaz. Il n'y a plus un billet sous le linge dans l'armoire. Ah ouais? Comment t'as fait? Je leur ai raconté plein de mensonges. Je leur ai dit que tu m'avais abandonnée, que la banque avait fermé plus tôt, qu'on m'avait volée dans le métro. Mais tu mens! C'est sûr que tu mens! Tu as fait du plat, petite salope. Oh. Oui? Dis-moi que tu te l'es fait. T'es vicieuse! Jules! Je t'interdis. Que tu m'as connue, j'étais innocente et je le suis toujours. Enfin, je veux dire que j'ai jamais connu personne d'autre que toi, tu sais bien, mon amour.
putain, mon chéri, hein? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je suis seul, une femme seule ou une ordure. Tiens, jette-le ce bouquet. Et puis non, donne-le-moi. Regarde ce que j'en fais. Bouquet d'hypocrite! Je t'ai trompé, Rosa. C'est pour ça que j'étais en retard. Je t'ai trompé avec une pute. Comment? Avec une pute. Pendant que je fignolais le canard. Oui, oui. Pendant que je me préparais pour toi. Déshabille-toi. Ah non, pas ça. Déshabille-toi! Ça sent le parfum bon marché, la sueur de femelle qui se néglige. T'oseras te frotter à moi dans cet état? Allez, on l'a pas beau, allez. Et on lave tout, s'il vous plaît. On lave absolument tout. Maintenant, ça y est. Fais voir. Ah, c'est encore ce dingue. C'est pas encore cette fois que tu seras défiguré, sur toi. D'habitude, c'est contenté de mordre. Là, c'est carrément le rasoir. T'as pas dit que tu le connaissais? Un type dans les 50, avec un ceinturon, des fringues de surplus? Je sais pas si c'est du surplus, mais parle tout le temps de l'Algérie, d'une fille qu'il a reconnue là-bas. Alors, Metaf, tu peux quelque chose? Bah, si c'est celui que je crois, il est pas du milieu. Yvette a raison, c'est un dingue. On peut le coincer facile. Ça fera pas d'histoire avec personne. Mais c'est un coriace, il reviendra. À moins que Gilbert... Trouvez-moi son pédigree. Je le ferai raisonner. Il faudrait pas qu'il soit mouillé politiquement. En ce moment, je peux pas me permettre un père avec qui que ce soit. Bah, il raconte qu'il est anarchiste. Il bacouille par-ci, bacouille par-là. Il est pas méchant, c'est pas qu'il boive, quoi. Il va bien en coulisses de taper une petite coupe sarquinque. Son nom, on le connaît? Bah, les vieilles l'appellent Dédé. Puis quelquefois, on lui dit la balafre, évidemment. Pas d'autre, c'est bien lui. Ça alors, Pierrot? Mais regardez qui nous arrive! La tentation en personne! Mais tu t'es trompé de saison, fourrure! Dans 2 ans, un petit vison, tu me le mets de côté. Tu peux l'avoir avant si tu veux. Ah, mais t'as qu'à demander à Apollo! Oh! Salut, Mataf! Salut, Polo! Tout bib? Il y a 40 qui m'a dit que tu me cherches. Viens t'asseoir? Alors, je peux pas, je suis en double fil. Comme tu sais, Rosa a 20 ans. Alors je voulais remplacer sa fourrure qui, paraît-il, se fatigue. Si tu avais quelque chose de bien, dans mes prix. Bon, j'en ai 3 qui pourraient convenir. Je te les amène ce soir, mais pas avant 20h. Tu seras où? Ici? À l'hôtel? Ou chez Simon, en bas de l'avenue? Je te trouverai. Dans les 60, ça ira? Je sais pas. Faut voir d'abord la marchandise. Of course. Il est bon de la jaquette, celui-là? À quoi tu vois ça, toi? Il regarde. Tu voudrais qu'il baisse les yeux? Justement, il les baisse. Ça te trouble? Moi? Comment on a eu Yvette? Lui, avec un mec, il a jamais voulu prendre par derrière. J'ai beau insister, y a rien à faire. Parce qu'il y a des mecs qui me demandent ça. Et moi, je veux rien faire si j'ai pas d'abord essayé avec Polo. Mais tout ça, c'est pareil. Pas vrai, Mataf? Qu'est-ce que t'as à sourire comme un jésuite en me regardant? Rien. Te fâche pas, Polo. Pareil que t'es une affaire. C'est normal qu'il te reluque, le Pierrot. Tu l'intrigues. Même moi, tu m'intrigues. Et ça commence souvent comme ça. Arrête, ma taf. Tu vois pas qu'il va nous faire une attaque, le Polo? Oh, vous m'avez fait peur, pour un peu je marchais. Bon, parlons de choses sérieuses. C'est demain soir, lui. Allez, toi, Jeannot.
alors? M'en parle pas. C'est lui, là? Oui, c'est lui, il m'a raccompagné. Je me suis fait une de ses billes, raconte. Il m'a emmené chez lui. Je suis la femme de sa vie. Tu l'as cru? Non, mais enfin, ça se coûte tout de même un petit peu. Alors, on s'est mis d'olive, puis il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir. Et puis, alors, quand ça a été terminé, il m'a dit, regarde, tu me croiras pas. Il y avait un arc-en-ciel à la fenêtre. Moi qui avais peur qu'il te pique. J'ai bien peur que ça soit pire. Oh, il m'en a dit. Il m'en a dit. T'es encore belle, tu sais. Oh. T'as pris les combien? Tu es folle. Je pourrais pas le faire payer. Est-ce que tu peux être mesquine? Pourquoi tu crois que... Ça fait rien. Je regrette pas. Je vais te donner des ordres et tu, c'est toi qui te toucheras. Tu comprends? Ça t'ennuie? Non, pourquoi? Rien ne t'ennuie, hein. Tu feras tout ce que je te dirai sans réticence. Regarde, le soleil est revenu. Rosa! Tu fais peur aux clients, Alex. Tu t'es lavé? Non. Viens. Viens. J'ai filé du fric à la gardienne. Dans sa cuisine, pas question. Mais par ici, alors. Je suis plus, nom de Dieu! Remonte ta robe. Baisse ta culotte. Hein? Allez, dépêche-toi. C'est sûr, hein? Tu t'es pas lavé, hein? Non. Mais il m'a pas touché. Il avait peur des maladies. J'ai beau lui dire qu'avec la bouche, il y avait autant de risques. Merde. Reprends ton argent. Non. Garde-le. Mais promets-moi. Tu sais quel jour je peux venir et à quelle heure. Ouais. Tu te gardes pour moi, hein, compris? Hein? J'aime tant sentir... le sperme encore chaud dans ton ventre. Je sais. Essuie-toi le front et en nage. Et va pas raconter que t'as donné du fric à la gardienne. Gilbert aimerait pas. T'as fait une belle fête quand même. Ah, je te revois avec ta jupe serrée, maquillée comme une roue de voiture. Oh, laisse tomber, 40, c'est loin tout ça. Non. Ah non, c'est pas si loin. On m'appelait 38. Moi déjà 35, non, j'ai décidé de plus bouger pour un temps. Vous savez pas quoi? Non. Je croyais qu'on portait toutes des numéros. Comment tu t'appelles déjà? Ah, c'était Lise Marie. Et je me souviens, Gilbert lui a dit, tu t'appelleras Rosa la Rose. C'est un souvenir de deux films qu'il aime bien. Oh, il était toujours fort au cinéma, Gilbert. Aujourd'hui, il n'aime plus rien. Alors, on va à la cinémathèque. Parfois, à sa campagne, on passe des nuits à regarder des cassettes. Mon père était très amoureux de Viviane Romance. Évidemment. Et que ça veut dire, évidemment? C'est comme ça que t'as attrapé la vocation. Thank you.
Hein, t'es pas superstitieuse? C'est pas les sacs, c'est les chapeaux qui portent malheur. T'as le petit cadeau? J'avais pas qu'on payait d'avance. C'est trop. Prends-moi debout, j'en ai marre de me déshabiller. Ça suffit. Attends. Tu bandes même pas. Julien. Va-t'en, Julien. Va-t'en, Julien. Si je voulais partir. Tu as besoin de repos? Non. Partir vraiment, pour toujours. Pour
toujours. Tu veux dire quitter le tapin? Oui. Tu sais bien que tu es libre. Tu me demanderais combien? Combien? Beaucoup trop cher pour toi. Mais t'inquiète pas, je te mentionnerai pas, c'est fini, ça. Je perdais beaucoup, tu sais. Tu es une gagneuse. Mais c'est pas ça qui me plaît en toi. Tu veux savoir? Oui. Ce qui me plaît en toi, c'est que t'as du cœur. Eh ben, moi aussi, j'ai du cœur. Le jour où tu voudras reprendre ta liberté, que d'ailleurs tu n'as jamais perdue, tu me le dis, et goodbye, farewell. On va à la campagne dimanche? Tu veux? Ouais, tu me passeras un beau film. Tu pars plus partir? Oh non, c'était comme ça. Juste par curiosité. C'est aussi bien, vois-tu? Parce que si tu étais parti, c'était évidemment pour un homme. Et je me serais fait beaucoup de soucis. Pour vous. Arrange ma cravate, tu veux? Faut travailler pour vivre. Beaucoup. Et où que vous alliez, nous saurions faire ce qu'il faut pour que vous ne trouviez jamais à travailler. Évidemment, il y a l'île déserte, l'eau fraîche, les petits oiseaux. Si ça te suffit, une chance sur mille. Tu viens toujours à la campagne dimanche? Non. Tu m'en veux? Si, si, tu m'en veux. Mais c'est pas gentil. Est-ce que je t'ai demandé avec qui tu partais? Est-ce que j'ai pas été discret? Et toi, comme ça, innocemment, tu poses tes jalons. Et tu trouves ça juste. Je peux pas, Rosa. Je peux pas accepter qu'on me quitte. J'ai 50 ans, tu en as 20. Dans 5 ans, quoi qu'il arrive, je me mets au vert. J'en aurai assez pour finir mes jours sans craindre. Oh. J'ai jamais pensé que tu m'accompagnerais dans ma retraite. Tu as ta vie à faire. J'ai espéré, c'est vrai. Des visites. De loin en loin. De moins en moins. D'ici là, ma dignité m'empêche de te laisser partir sans intervenir. Cinq ans. Encore 5 ans, tu feras ce que tu voudras, je te promets. Tu peux bien attendre 5 ans, non? Non. Asseyez-vous. Toi aussi, jeune. J'ai besoin d'argent. Comme vous le savez, j'avais envisagé de me retirer dans 5 ans. C'est trop loin. Je vais raccourcir les délais. Pour ça, il faut que j'augmente mes parts dans nos affaires. Si vous n'êtes pas d'accord, je le comprendrai très bien. Je ferai le coup sans vous. Tu vas pas nous faire croire tout de même que tu peux nous remplacer en 24 heures. Si. N'oubliez pas que je vous impose à chaque fois. Je raconte que vous êtes irremplaçable, des spécialistes, et ils me croient. Parce que je suis convaincant. Gilbert, le premier qui me baisera. N'est pas encore né, je sais, tu t'es suffisamment expliqué là-dessus. Je vois pas pourquoi vous discutez. Qu'est-ce que tu veux, Polo? Qu'on se castagne? Tu n'en as pas le coup 10 secondes, j'aime pas la bagarre. Et toi, Mataf? Tu souffles dessus, il s'écroule. C'est ça que tu penses? On n'a jamais parlé comme ça, Gilbert.
On n'a jamais parlé comme ça parce que sans Gilbert, vous contenteriez de vos tapins. Un minimum. Un tout petit minimum. Vous avez de l'estime pour Gilbert, oui ou non? Oui. Oui. Alors faites-lui confiance. Tout ce que vous lui avez demandé, vous l'avez eu. Cette fois, c'est lui qui demande. Ça va, Jeannot. J'ai un autre plan. Je t'écoute. Toi, Mataf? Avance. Mon idée, c'est de rester en famille. Au lieu de semer la panique en force comme d'habitude, on va envoyer notre bataillon de dames. Pas de forcing, pas de coup de poing, du charme. Du charme et du venin. Genre MLF conciliant, y a rien de plus efficace. Et pour nous, comment tu vois les choses? Surveillance douce et de loin. Tu veux pas nous dire ce qui te tracasse, Gilbert? Rosa, t'as pas vu Gilbert? Non, il doit être au conseil, pourquoi? Ah, secret confidentiel. Non, il est pas au conseil, Jeannot m'a dit que c'était fini. Déjà? Oui. Chez Simone. Mais j'en viens. Mais il est pas à l'hôtel? Ben non plus. Ah. Ben non, je sais pas, Pierrot. Je peux rien te dire, Rosa, mais Gilbert, il pense à toi. Tu me comprends? Je sais. Allez, ciao. T'as des problèmes, Rosa? Mon problème, c'est Gilbert. Parce que j'ai aujourd'hui, on dirait que je les repousse. Tu les repousses pas, tu les fais fuir. Parce que tu les ignores. Tu penses à autre chose ou à quelqu'un. Ça se voit. Dis donc, toi, tu m'espionnes. Non, je te cherchais. Mais quand je t'ai vue, lointaine, comme une princesse, j'ai pas osé. T'as pas osé quoi? Je te vois venir, mon petit bonhomme. Non, c'est non avec moi. Regarde. Où t'as volé ça? Va reporter ces miettes, main. Mais je les ai pas volées, je te jure, c'est mon père. Il voulait pas me les filer, alors je lui ai dit carrément pourquoi c'était. Ça l'a rendu tout heureux. Et il m'a dit, tiens, y a pas meilleur emploi pour de l'argent. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Et il a foutrement raison. Bon, ben raison ou pas raison, c'est toujours non. Rosa. Tu me vois au lit avec un gringalet comme toi. Pas avec des filles de ton âge. Tu parles. De quoi je vais avoir l'air avec mon père? Je me suis jamais touchée, jamais branlée, parce que je veux que la première fois, ça soit formidable. Et pour ça, il n'y a que toi, j'en suis sûre. Mais reste pas plantée là, ma fille, il y a les hommes qui arrivent. Furax, ils sont. Oh, ben je suis là à la fête. Tu vois, tu vas m'attirer des ennuis, fille. Excusez-moi, monsieur, mais il y a une urgence. Viens, faut que je te parle. Elle est sortie de Toul, celle-là. Je la connais, qui c'est? C'est la France profonde. En l'honneur de quoi? La France, c'est son prénom. Et le reste, Mathilde Ville,
Elle a commencé par les gros calibres et puis maintenant, bah, les petits JPR. Je vois pas ce que ça a de méprisable. Bah, personne ne la méprise pour ça. Seulement, elle est moins demandée, alors elle vend de la cam pour se faire du pognon. Puis alors là, c'est un peu trop, là. Bah, c'est déjà fini, ce conseil? On parlera du conseil plus tard. Gilbert ne tourne plus rond et nous, on considère que c'est très grave. Oh, 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 c'est rapport à Roussa. Mais tu as appris quelque chose, 40? Tu savais pas que je sais lire dans les tarots? Si Gilbert déconne, c'est à cause de Rosa. Nous, avec Polo, on n'a pas envie de couper dans ces conneries. Rosa, elle peut mijoter ce qu'elle veut. Ça ne nous regarde pas, tant que ça ne menace pas notre beefsteak. Si on a bien compris entre les lignes, Rosa, elle voudrait se tirer. Et Gilbert, ça le rend malade. Il est prêt à n'importe quelle connerie. Rosa a besoin qu'on la raisonne un peu, pas davantage. Et faut nous aider. Dis donc, tu sais ce que tu nous demandes, là, Polo? Donner une copine. Donner. Mélange pas tout, 35. Il n'est pas question de donner. Il est question de nous aider à faire la lumière. Oui, 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 je vois qu'il faut qu'on soit plus clair. Eh bien, faites toute la lumière que vous voudrez, mais nous, on n'est pas des ampoules. Voilà. Rosa, c'est sacré pour nous. Non, mais des fois... C'est vrai, ça s'est déjà vu, des cas comme ça. C'est un problème entre elle et Gilbert. Il n'y a qu'à faire un conseil avec tout le monde, si vous voulez. Nous, on veut bien servir de témoin ou d'arbitre, mais rien de plus. Non, mais des fois... Laissons tomber, Polo. Il n'y a rien tiré de ces greluches. En plus, elles sont beurrées comme des coins. Non, mais dis donc. Oui, on abuse. Oui, on abuse. Et tu sais pourquoi? Tais-toi, 40, tais-toi. Parce qu'il y a un mec qui nous a demandé toutes les deux ensemble et j'ai refusé. Et tu sais ce que c'est que de refuser à mon âge, dans mon métier? C'est parce que je suis pudique, moi. Pudique. Mais t'as pas fini de nous faire suer? Rosa, vous cherchez? Elle est allée faire un tour chez Simone. T'en es sûr? Ben oui. Tu sais ce qu'on va faire, Mataf? On va lui foutre une sacrée trouille avec ton pote. D'aider la balafre. Ouais. Bah, bravo. Pas comme salope, tu te poses un peu là. Tu vois pas qu'il les a bluffés? Papa Moustique? Évidemment. Elle est partie avec son peintre. C'est pas le moment qu'il la pince. Essaie de les retrouver. Et dis à Rosa de se planquer tant qu'on n'a pas retrouvé Gilbert. Si je les retrouve pas, je serai au manège. Je peux pas t'emmener chez moi, il y a une femme. Je t'ai rien demandé. C'est passé quelque chose entre nous, Rosa, non? Quand je dis nous, je sais, je devrais parler que pour moi, mais enfin... Écoute-moi bien. Je me battrai s'il le faut. Et contre n'importe qui pour t'avoir. Jusqu'aujourd'hui, je savais même pas que je vivais. Tu sais, le travail, c'est comme une drogue. Ça abrutit, mais ça rend pas vraiment malheureux. Alors tu te dis... Qu'est-ce que ça changera? Que je sois avec elle ou avec une autre? Mais justement, aujourd'hui, moi, j'ai une certitude. Pour la première fois de ma vie. Ça peut plus continuer comme ça. Tu vois, je te parle pas d'amour. Je sais bien que ça te ferait rien. Je te parle juste de vivre autrement. Et c'est pour ça que je te quitterai plus. Parce que je pourrai plus vivre comme avant. Comme avant toi. Ni toi, ni moi, n'y pouvons plus rien, Rosa. Ça, tu peux le comprendre, non? Rosa, regarde-moi. Rosa. Dis-moi au moins ça. Tu peux comprendre que j'y arriverai plus comme avant? Et c'est pour ça que je te quitterai plus. Dis-moi au moins ça. Tu peux le comprendre? Je te parle juste de vivre autrement. Comme avant. Comme avant toi. Je te parle pas d'amour, tu vois. Rosa, regarde-moi. Rosa. Je vais aux toilettes. Pas le temps. Un seul alors. Et tu me tires, on ferme. Un seul, oui. Mais un vrai, hein? Tu me comprends? Toi,
Tu sais ce que c'est? Tiré par Roté avec les minables en file indienne. Tu resteras derrière ton comptoir à attendre tes pourboires. Faute de mieux. Faute de liberté, tu veux que je te dise? Plus tard, j'ai envie de pisser. Pisser? Ah, pourquoi pas? Pisser, c'est naturel. C'est pas comme l'État. L'État, c'est pas naturel. L'État, c'est pas la société. C'est l'État qui fait naître les classes. Et c'est l'absence de liberté qui pousse les gens à désigner les races. Chose qui ne passe pas. C'est ça. C'est vous qui nous avez servi. Annie, un grand café brûlant. Et moi, c'est lui. Allez à la table de l'homme avec qui j'étais et demandez-lui si votre choix. Enfin, je sais pas. Penchez-vous sur lui. Je ne voudrais pas qu'il me voie partir. Vous inquiétez pas, c'est facile. Vous n'avez qu'à monter et attendre un peu en haut des marches. Je viens tout de suite. Et quand je crierai deux pressions, deux, vous filez. Un perdu qui se doit retrouver. Pas mal de pouvoir! L'idée, tu nous casses les oreilles. C'est pas une tribune ici. La seule tribune, c'est la rue! La rue. Eh bien, vas-y donc! On retourne en Indochine ou en Algérie. Il y a encore à faire là-bas. Tu l'as dit. Mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Ce sont les peuples les plus faibles. Ceux qui ont le plus besoin de liberté. Qui réclament le tyran. Deux pressions, deux. Parce que l'autorité les soulage. Avec sa violence. Organisée, oui madame. L'obéissance et l'ordre ne sont pas nécessaires pour une... respect mutuel. Laisse-moi dire. Lily, ça suffit. Déconne comme tu veux avec la politique, mais pas avec mes clients. C'est pas ta cliente. Figure-toi. C'est la mienne. Viens, on se tire. Ouais, là, de toute façon, je m'en fous qu'elle y soit pas, qu'elle parte ou qu'elle reste. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, je te quitte plus. Je te suivrai pas, Julien. Alors, tout à l'heure, tu l'as tiré sans rien me dire, hein. C'était plus facile pour moi. Je crois que j'étais honnête avec toi, non? T'as pas le droit de te tirer comme ça sans rien me dire. Ça, c'est ton mépris. J'ai pas mérité ton mépris, Rosa. Je te suivrai pas, Julien. Tu veux pas de moi? Bah dis-le, réponds! Tu veux pas vivre avec moi? Je peux pas. C'est pas ce que je te demande. Ne me demande rien. Laisse-moi partir. De toute façon, moi je m'en fous, je t'aime! Et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me parles, hein? Que je chope ton rasoir comme l'autre dingue? C'est ça que tu veux? Je t'aime, je te dis, t'entends pas? Si, je t'aime. Mais dis, on va chez moi, on s'arrangera. Il faut pas faire de mal à personne.
toi et moi, on a des choses à mettre en ordre, tous les deux. Alors on va le faire, chacun de son côté. Il y a un film comme ça, que Gilbert m'a montré. Il pleurait toujours en le regardant. C'est des gens qui s'aiment comme nous, et qui veulent s'y prouver. Alors ils se donnent rendez-vous, elle et lui, 6 mois plus tard. 6 mois. Oui, mais ils étaient riches. Ils avaient plus de problèmes que nous. De moi, 6 jours, dans 6 jours, dans ce café, à cette table, tu m'as dit les choses que je voulais entendre. Tu me fais confiance. Est-ce que tu me laisses le choix? Ah non, Julien, comme ça, gentiment. Confiance totale. 6 jours, dans ce café, à cette table. Si t'es pas là, tant pis pour moi. Si je suis pas là, c'est que rien n'est possible. L'amour, ça va quand tout est tranquille. Ça tiendrait pas s'il fallait fuir tout le temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est du roman, tout ça? Non. C'est la vie. Tu connais pas. C'est vrai, tu connais pas. Dans 6 jours, dans ce café, à cette table. Et si je suis pas là, je te supplie, pour moi et pour toi, ne cherche jamais à me revoir. Même par hasard. Jamais. Va-t'en maintenant. Vite. Vite. Enfin, je te retrouve. Tout tombe bien. Je te cherche partout. Ils ont même envoyé Dédé pour te flanquer la trouille. Je sais, je m'en fiche de Dédé. Viens. Hé, on va tomber sur le matafé polo. Je leur ai menti, moi. Tu as peur? Assez, oui. Mais si tu veux, j'ai plus peur. Tu as toujours envie de faire l'amour avec moi? Et comment? Mettez ça dans le placard. Dano ! Tu permets ? Il y a 50 000 tracts. Ça ira ? Largement. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Coup de poing américain. Pour l'embarquer. Gilbert ! Ouais ! C'est Pierrot. Qu'est-ce qu'il veut ? Il dit qu'il a rendez-vous. Descends. Tu feras planquer tout le bardage qu'elle m'assoit. Si on me demande rapport à ce que tu sais, je ne suis pas joignable pendant 48 heures. Il arrive. Ah, très bien. Ça, c'est pas de la bricole. Ah, je travaille pas dans le prêt-à-porter, imagine-toi. C'est pas de la vraie colle, hein. Combien, celui-là? 60.
peux pas, Pierrot. Tiens, voilà 30 000, je peux pas l'avantage. J'y perds, tu le sais. Je sais, je sais. Je te volerai ça plus tard, en liquide ou en service. Justement. Déjà. Oui. Gilbert, c'est Polo et le Bataf. Mandez-leur ce qu'ils veulent. Alors? Bon, la fourrure, j'en ai ma claque, alors j'ai ouvert un sauna, puis j'ai mis un petit gant en attendant. Quelqu'un de bien? Assez, oui. J'ai des problèmes. Tu comprends, faut arroser tout le monde. On a vu Rosa. Et alors? Elle allait vers l'hôtel avec le môme. Dis-leur qu'il ne fasse rien. Je m'en occuperai moi-même. Alors c'est quoi ton conte de fées? C'est un bon petit gars, je peux lui faire confiance. Enfin, pour une fois que je m'entends bien avec quelqu'un sur tous les plans, tu vois ce que je veux dire. Mais il a pas un rond. Alors, je suis en train de bouffer mon capital à force de filer du fric par-ci, du fric par-là. À long terme, ça va me poser quelques problèmes. Voilà, moi j'espère que ça ira. Tu vois, une femme c'est d'abord ça. Touche. On est plus nu que nu avec toute cette soie sur le dos. D'habitude, c'est réservé pour Gilbert, je ne le mets jamais avec les clients. Chiffonne pas. Touche doucement. Ça suffit, couche-toi. Déshabille-moi maintenant. Tu m'as laissé dormir. Pour te regarder. Pour mieux me rappeler plus tard. Le jour se lève. Tu attends quelqu'un? Si on veut. Qu'est-ce que t'as fait des billets? Sur la coiffeuse avec le tas. Tu les reprendras. Mais pourquoi? Parce que tu vas m'aider. Vraiment? Tu vas me rendre un grand service. Tout ce que tu veux? Tu le jures? D'accord. Après, tu pourras plus te dédire. Je le jure. Ouvre ce linge. Prends-le. En gardant le linge autour. À
quoi on joue? On joue pas. Quand t'auras fait ce que je t'ai demandé, t'essuieras bien partout où t'aurais pu laisser des traces. Sur les meubles, sur le bois du lit, sur la poignée de la porte. Rosa. T'as peur, hein? Non. Je comprends pas. Bien voilà. Tu vois ce couteau? Tu vas me l'enfoncer dans le ventre d'un grand coup, sans hésiter. T'as compris? D'un grand coup. Mais je pourrais jamais... Et si, tu verras, c'est rien. N'aie pas peur. C'est pas pour mourir. C'est juste pour avoir une chance. Une chance sur deux. Explique-moi, Rosa. Explique-moi, s'il te plaît. T'as juré. Tu sors, tu fermes ma clé, tu descends jusqu'en bas. Tu sors sans te faire voir, tu fais semblant que je t'ai jeté la clé par la fenêtre. Tu vas au standard, tu leur donnes la clé. Ils monteront, ils me découvriront, ils m'emmèneront à l'hôpital. Et là, tu verras, y a rien à craindre. Ah, on t'attendait, Gilbert. Tu vois, on n'est pas monté. J'aime autant ça. On a toujours été d'accord là-dessus. Rosa ne dépend que de moi. On s'en serait pas mêlé, mais un mineur, il y a trop de risques. Vite! Vite! Elle est blessée. C'est Dédé qui l'a piqué? Attends, va chercher le toubib. Pourquoi elle m'a fait ça, Caron? Qu'est-ce qu'il y a? Se réveille. Comment est-elle? Pas voyant. Super. Tu m'avais dit une chance sur mille. Ne dis rien. Repose-toi, c'est moi qui vais parler. D'accord. Te plaît? C'est mon cadeau. C'est passé mon anniversaire. Mais c'est pas pour ton anniversaire. C'est pour fêter ta liberté. J'ai si chaud. Et j'étouffe. Tu n'aurais pas dû me croire. Tu n'aurais pas dû m'écouter. Je parle souvent pour donner de l'importance, pour en imposer. J'ai toujours cru ce que tu me disais, Gilbert. Ça m'a toujours réussi. Quelle heure est-il? 9 heures. C'est pour ça. Je sens déjà la chaleur. Toby bouffe la fenêtre, tu veux? C'est pas recommandé, Rosa. Dors un peu, pour me faire plaisir. J'ai trop peur. Mais de quoi, voyons? Comme ta vieille. Embrasse-moi. Laisse-la en paix. S'il te plaît, Toubib.